Let's take a smoke break. What it do, what it does, smokers. Ici votre animateur Floss, aka The Reefer Man. Aujourd'hui, j'ai le pyromane de la ville. Ouais. Vraiment là, le pyromane de la ville. Il est en train de brûler la ville. On a Chouiz avec nous. En forme. Tranquille. Qu'est-ce qui se passe, champion? On est là. On travaille. On met du son, on met du feu dans la ville. Yeah. Hein? Aujourd'hui, on va essayer de voir exactement d'où vient sa passion, puis où est-ce qu'il va aller exactement avec sa musique, quoi. So, Chouiz, man, donne-moi un peu ton cheminement. Comment t'as commencé à devenir à rapper, genre? J'ai commencé à rapper. Le premier beat que j'ai fait, c'est, tu connais Young Mike. Young Mike? Ça, c'est un gars du Eastside, ça? Ouais. De Célondon, je pense, non? Non, Montréal, non. Montréal, non. En tout cas, j'ai commencé chez lui, j'ai fait un beat. Ok. Comme ça, pour les formes. Puis c'était quoi le nom du beat? C'était en anglais en plus. En anglais, tu te pensais pour un américain à ce moment-là? Ça s'appelait Getting Paid. Getting Paid, ok. En plus, je pense que c'est encore sur YouTube. Et t'avais quel âge à peu près à ce temps-là? Tu vois, 16 ans, 17, 16. 16 ou 17 ans? Ok. Tu as commencé à fumer à ce moment-là, même là? Ouais, j'ai commencé à fumer à 16 ans. À 16 ans? Ouais, 16 ou 15, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, on va fumer un peu pour qu'elle vit en passant. Oui, ça c'est. Puis. Happy. Ce type me fait fumer un blunt aujourd'hui. Généralement, je ne fume pas de blunt. Mais ça, parce que ça a plu, c'est lui. C'est lui qui me donne. Pipe. Tu ne fumes pas de pipe. Voilà. So, quand tu as commencé à fumer là, à quoi? 14, 15 ans, j'imagine? 15, 16. 15, 16? C'est quoi le premier blunt que tu as fumé, mon gars? Je ne sais même pas. Comment tu sais ça? Parce que c'est comme c'est quelqu'un qui m'a fait fumer, tu vois. Mm-hmm. J'ai aucune idée, je fais ça. J'ai aucune idée. T'as aucune idée? Puis c'était quoi la circonstance pour que tu commences à fumer en tant que tel? Il n'y avait pas de circonstance. J'étais avec du monde qui fume. Comme moi, tout le monde fait autour de moi fumait déjà. J'étais avec du monde qui fume, puis j'ai décidé de fumer. Là-dessus. Il n'y a pas de circonstance. C'est juste arrivé comme ça. Bon, celui-là, il ne fonctionne pas. So, il n'y a pas de circonstance, tu as juste commencé à fumer parce qu'il y avait autour du monde de toi qui fumait. Ben, c'est comme ça fait longtemps que le monde fumait autour de moi, tu comprends. Mais juste cette journée-là, ça me tentait. Ça te tentait, tu as juste commencé. Comme date, jamais arrêté. Ton strain préféré, Sativa ou Indica, lequel que tu préfères? Indica. Indica? Je ne fume pas de Sativa. Pourquoi pas? T'aimes pas le bail qui te fait penser? J'aime pas le goût. T'aimes pas le goût? Et en vrai, ça m'a. Je suis pas high. C'est trop fruité pour toi, j'imagine? J'aime pas le goût. Puis c'est comme dans ça, je suis jamais high. Je veux fumer, je fume, je suis jamais high. C'est pas assez strong. C'est pas assez strong pour ça toi? Ça pue pas. Ça pue pas. Quand t'avais commencé à rapper avec Young Mike, tu fumais déjà? Ouais. Ouais. Est-ce que tu fumais quand t'avais fait ton propre, ta première track avec Mike? Ouais, déjà tu fumais. Ouais. Puis, quoi, c'était dans son studio en tant que tel? C'est chez lui même. Chez lui, il y avait un studio dans sa chambre, dans son garde-robe. Dans sa garde-robe? Ouais. Yo, mon gars, tu me fais vraiment fumer la blood? Ouais. Chouiz, c'est toi qui mets vraiment le feu dans la ville. C'est où je fâche? Ah, tu peux mettre ici, il n'y a pas de stress. On nettoiera après. So, là maintenant, t'as pas besoin de moi pour que tu aies ta notoriété dans la ville en tant que tel, en tant que rappeur. Mais là, t'as commencé avec. C'était quoi le premier son qui a dérangé vraiment la ville? Comment faire? Yeah. So, explique-moi un peu la mentalité qu'il y avait derrière ce track-là. Ça sort. On arrête comment faire quand tu souviens de sortir du gel. Ok. C'est un beat comme ça. C'est un beat d'Ice nous envoyait des trucs. On était dans l'auto à White Vigos. White Vigos, hein? Yeah. Ça, il est toujours avec vous, hein? Yeah. Oh.
Bon, c'est bien ça. Yeah, on était dans son retour d'un okay. Club beat. Puis on l'a rec. Puis vous avez vu déranger la track en tant que tel. Puis ça fait 2 ans. Puis en parlant que ça fait 2 ans, là, dernièrement, là, j'ai regardé là, sur internet, là, il y avait une dernière vidéo là, pendant que vous étiez à Hansik, je pense. Mm-hmm. Mais comment vous avez fait pour avoir tout l'email à l'école comme ça que. Comme. Je veux pas te dire. Yo, c'est pire qu'un bleu. C'est pire qu'un bleu. Mon cher. So, Chuse, est-ce que t'as. Comme t'es un gars qui fume des blogs, t'es capable de prendre un hit de bounce, je pense? Je peux essayer. Tu peux essayer? Je suis pas un gars qui fume des bongs d'habitude, mais je peux essayer. So, let's take a small break. On a un gros mal élevé ici. Belle bong en plus. Belle bong grenade, tu comprends? Péter mon fiel. C'est le subliminal que j'ai besoin que tu comprennes. Pour péter ton fiel. So, là-dedans, c'est le Purple Candy. So, je vais voir si tu es capable de le hit. Okay. Je vais faire. Voilà. Je vais vraiment fumer un blunt. Tu me fais fumer un bon. C'est qui le plus pire? Je pense que c'est moi. Yee! Oh! T'enlèves. Tu prends. Oui, je vais avoir tout ça. C'est exactement ça. T'es fou. Laisse ça pour eux, ça. Ça, c'est trop pour toi, on dirait. Oublie. Je pense que je vais aller au même niveau que je suis, là. On y va. Attends, je pense que je vais utiliser ce mot. Oh, t'es un solide, toi, tu reprends. T'es un solide. Il faut finir. Je te le donne. Oh. Ok. Ok, Chuse. Là, maintenant. C'est ça passé au smoke break. Tu comprends? C'est temps de prendre une pause, tu vois. Ça, c'est la pause à prendre. C'est pas une pause. C'est pas une pause, c'est du saccage. So, après que tu es sorti, comment faire? C'est quoi qui est sorti? C'est en fouette, c'est ça? Non, même pas. C'est TS1. TS1 qui est sorti? La mixtape à Tizou, la première. La première qui est sortie. Tu sais, volume 1. Ça là. Est-ce que personnellement, vous vous y attendez à toutes ces répercussions de tout le monde, genre? Même pas. Vraiment pas. Est-ce que jusqu'à maintenant, tu le believes? Comment si je le dis? Comme si. Comme quand tu vois que vraiment les chiffres. Ouais, comme moi, ça me surprend à chaque fois. Ça te surprend à chaque fois, hein? Aussi peu de temps sortir 3 mixtapes, c'est pas ça, c'est s'asseoir au studio puis juste lancer des beats. Ouais. Il y avait combien de producteurs, ben, pas de producteurs mais de beats les plus dans qui a participé dans ces 3 mixtapes là en tant que tel. Je veux pas oublier personne.
Il y a PC. Il y a Alain. Il y a Dice. Dice P, tu connais. PC, tu connais. PC, je connais aussi. Il y a Alex de Great. Il y a Zombie. Il y a Alex de Grid, il y a Zombie, il y a qui, je veux pas oublier les gars, il y a qui, hein? Oh, il y a 4590 d'ailleurs, c'est eux qui ont fait au fouet, okay. C'est deux frères. Il y a qui d'autre? Il y a un petit, il y a un petit jeune qui nous a envoyé des beats, comme que je connais pas personnellement, c'est YNG Midi. Je pense que c'est ça son nom, il y a... Vous êtes en plus, vous choisissez aller voir moi des même dans ma mixtape qui va sortir bientôt. Ça c'était ma prochaine question aussi. Ouais, il y a un autre qui s'appelle Dev. Dev, ok. Ouais, lui c'est un autre qui m'a envoyé des billes. Il y a qui d'autre? J'ai oublié quelqu'un ou quoi? Hein? Ça en fait beaucoup, hein? Yeah, ça c'est toute une collaboration. Ouais. Puis tous ces personnages là en tant que tel, là, ils sont toujours actifs en ce moment. Ouais, tout le temps. Tout le temps? Toujours. Ils n'arrêtent jamais. So, toi, tu as devancé la réponse tantôt là. Il y a des rumeurs qui courent que le 31, le 1er janvier. Et le 1er, je sors ça une mixtape. Tu vas sortir une mixtape? Ouais. So, constitue de combien de tracks dans cette mixtape là, si on peut se permettre de le savoir. On va voir un petit peu de insight. C'est 12 ou 13. 12 ou 13, ok. Quelque chose comme ça. Je pense qu'il va avoir un petit cadeau avec le. Avec le petit mixtape. Avoir un cadeau. Je sais pas, avoir un petit vidéo, petit quelque chose. Ouais, il y a plusieurs vidéos, je vais faire plusieurs. Ah oui, tu les as pas encore faites. Tu vas prendre ton temps pour. J'en ai fait un là, pour l'instant. Aïe aïe aïe. Puis là, ça va sortir quand la mixtape va sortir. Ouais, peut-être que je vais peut-être essayer de sortir là. Ouais. T'as vraiment un dénimat vraiment totalement différent de d'autres personnes. Un quoi? Un dénimat, c'est comme genre, t'as une approche différente de d'autres personnes, genre. Genre, t'es calme, mais dans tes beats, tu. Mais c'est pas comme si que t'es excité là. C'est comme, on te voit très zen, mais c'est la manière comment tu le dis, il faut que les personnes réagissent. Comment tu réussis à faire ça, toi? Comme, d'où vient ces qualités-là? C'est moi. C'est toi-même, ça, hein? Je suis comme ça. C'est quand je rappe, c'est Shuiz. Quand je suis là avec toi, sweet, tu vois, ma love. L'énergie, je suis en train de rap. Moi, je suis un paresseux à la base, tu vois. C'est pour ça que tu vois, je suis toujours calme avec toi. Je gaspille pas d'énergie pour rien, tu vois. Sauf quand je suis au studio, je prends l'énergie qu'il faut pour wreck le beat, tu comprends. Okay. Et quand je suis là, tu vois. Là, tranquille, yeah. Posé, parce que t'es en train de fumer un blunt. Yeah, je suis là. Moi, je suis comme ça. La vie, quand tu me croises dehors, je suis comme ça, tu vois, je suis calme. Et si je suis au studio, je prends cette énergie-là, je le mets là. L'énergie que j'ai pas gaspillée quand j'avais rien à faire, je peux le mettre dans le bouffe. Tu vois? Sérieux, qu'est-ce que tu aimerais dire exactement au public qui nous écoute en ce moment à Smoke Break? Si votre gorge est pas prête, fumez votre bang. Ça, c'est de 1. Et puis le premier, allez sur ma mixtape partout. La vie gratuite. Le 1er janvier. Le 31, ça sort à minuit. Et j'ai un show le 31 au Blue Joint Lounge. Ça se passe. On vous attend. Les informations sont sur mon Instagram. On fouette. Mais tu vois, ce serait pas cool là si on fait pas une édition Noël, tu sais, genre. On est en période de Noël. Avant de quitter, je vais faire mon papa dingue. Papa dingue. Mon papa dingue. Tu vois, ça c'est le bas Noël de dingue pour Suisse. J'espère. Soit à l'intérieur, il y a des petits goodies pour toi. Tu veux que je l'ouvre l'air ou? Ah, si tu veux. Si tu veux partager avec tout le monde qu'est-ce qu'il y a. C'est pas grand chose. C'est une petite appréciation du fait que t'es venu
à mon show, fumer un blunt. Fumer du bong. Fumer un bong. Bon. Ça, c'est pour pardonner le bong. Moi qui est choué. You know? Ok, les packs, ok, avec que ça a pu en plus. Avec que ça a pu. C'est comme ça, ça se termine. So, on était à Small Break Production People. On était avec Shuez, le pyromane de la ville. Fuck that, c'est pour ça que je vais l'appeler maintenant. Ici votre animateur Floss, aka The Riffer Man. Et je vais vous laisser sur ce mot, les amis. Let's take a small break. Ciao, ciao. What do you do, smokers? Merci d'avoir écouté l'épisode. En passant, les amis, si vous voulez vous abonner, cliquez ici. Et si vous voulez regarder mes anciens épisodes, cliquez là. Puis en passant dans la description, il y aura les tags des personnes qui ont participé dans mon épisode. Vous pouvez aller les follow.